Salut à tous les amis et bienvenue dans l'épisode 2 de Herobrine's Mansion. Donc on s'était laissé dans la crypte et là il y a un beacon cheaté qui nous met une blindness qui nous rend aveugle. Donc on va passer par là. Oh la vache. Je le sens pas trop en fait. Oh putain. Les ténèbres te consumeront. Il y a des mobs. Oh la vache. Putain la vache. Bâtard. Ah non, une araignée bleue. Ah putain, les ghasts. Il y a un squelette. Alors, on va faire la technique du toujours longer le truc de droite. Ça marche très très bien. Je suis tenté de passer par là. Ah, excellent. C'est Slender. Ah et putain, il y en a un autre. Bon, moi je dis faut suivre les Slender. Non, c'est pas par là. Oh putain. Ah c'est très sympa d'avoir. C'est très sympa d'avoir mis des Slender en. Pour les Slenderman. Pour les Enderman. Pour les Slenderman. Ah bah je suis passé. D'accord. Ah ouais, il y a plein de Slendy. Hein. Donc, boss fight, roi squelette. Appuyez sur le bouton quand vous êtes prêt. Et bah c'est parti pour un boss fight. Alors, boss fight, habilité spéciale, il a des larbes. Bienvenue dans mon domaine. Est-ce que s'il te plaît tu peux mourir? Oh putain. Allez, crève. Oh la vache. Oh le bâtard. Là, je peux pas le toucher. Allez, crève. Allez, vas-y. Ah oui, tiens, je me dis de ces larmes. Putain, par contre, il fait très très mal. Crève. Ce serait bien que je le pousse dans les... Allez, vas-y, crève, voilà, je t'ai poussé dedans, maintenant tu vas crever. Et il peut pas shooter parce qu'il... Ouh la vache, j'ai rien dit. J'allais dire, il peut pas me shooter parce qu'il est dans les trucs. Oh la vache, putain, mais il fait mal en plus. Il a un putain d'arc cheaté, à mon avis. Putain, la vache. Où qu'il est? Je le vois pas. Tu ne peux plus me toucher, hein, tu fais moi le malin. Bon, on va quand même éviter... Oh la vache. On va quand même éviter de rester dans les cobwebs. Même si elle ne bug plus depuis la 1.4, on va passer par là. On va aller buter un peu tes potes. Ah, je l'ai tué. Je l'ai tué. Par contre, faut que je bouffe. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Oh. C'est le même arc, mais avec un power 2. C'est pas mal, ça. Golden Armor. Alors. Ça va être la poubelle. Ça, je m'en sers pas. Projection 1. Projectile protection 1. Set d'armure. Pendance de high pixel. Vous faites 2 d'armure.
Je suis pimp avec. Pimper One. Alors je vais garder ça. Le truc de Hypixel. Il est cassé donc non. Et j'ai eu donc un disque de musique et je vais profiter de... Voilà. Je vais profiter de ça. Le squelette, le roi squelette doit dropper un disque. Utilisez-le sur ce jukebox. Tu as tué le squelette... Oh, j'ai du stuff. Tu as tué le Skeleton King. Impressionnant, je pense. Oh. Ah, c'est le même que celui-là, mais en... Oh, bah du coup, je peux le jeter. Hop, dégage. Je dis... allons dans ce manoir maintenant. J'ai eu deux pépites. Cool. Wow. Avant d'engager les acolytes d'Herobrine, nous devons acheter de l'équipement. Et il y a quelqu'un qui m'a murmuré, je t'ai téléporté à l'extérieur. Ça fait un peu EA Games. Challenge everything. Donc, on va retourner voir Victor et Robert, hein, les deux gays. Parce que bon, ils sont tous les deux à côté de la maison d'Herobrine, on se demande ce qu'ils foutent. Salut. Contre 7, tu me donnes quoi? J'ai assez de potions en fait. Tac, plein de steaks. Hop, j'en remets une. Plus de steaks. Instant health, instant health. Ah, c'est une splash potion. Ah, ça c'est bien ça. Ça je prends. Comme c'est du splash. Et du coup, bah j'ai plus rien. Non, je vais pas t'acheter ça, ça servirait à pas. Tac. Ça, c'est mon ancien arc. Je vais le mettre là-dedans, l'arc. Je vais prendre celui-là. Non, en fait, je vais le mettre ici. J'ai eu deux gold nuggets, ça c'est bon. D'accord. J'ai eu deux gold nuggets, là, ça... Truc qui bug. Je sais pas ce que c'est, ça doit être l'autre. Ouais, c'est ton pote qui a bugué. Il en faut 4. D'accord. Donc je vais le mettre pour l'instant dans mon Ender Chest. Salut Robert, Jean-Roger, Victor. Waouh, quelle ambiance, regardez-moi ça. Ça mériterait presque un screenshot là, tu vois. Putain, c'est génial. L'ambiance est géniale. Hein. Donc, maintenant que j'ai fait... La deuxième quête, la troisième quête, donc faut que j'aille buter Arietta la Spider, Zato le Mage et Benetta la Witch. J'espère que faut pas que je bute dans l'ordre. Donc, on y va. En avant, nanana, en route pour l'aventure. Waouh, la porte est ouverte. Bonjour. Salut. Alors on va faire le ménage. Salut mon pote, comment vas-tu squelette? J'aimerais bien que tu ne me passes pas par derrière. Tu m'as droppé une armure de merde. Oh, pas mal. Pas mal mais merdique. Merdique en termes de ténacité restante. Ah. Oh la vache, par contre le lag qu'il y a là. C'est quoi ce bruit? Benetta la Witch. Non, je vais pas y aller. Je vais voir si... Oh la vache, putain, il y a un truc qui me fait ramer. Mais en puissance. C'est peut-être le... C'est peut-être l'orage. Putain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un bébé zombie, ok. Putain, par contre, là, je vais crever, là. Oh, putain, merde, mon stuff. Ah, bah non. Ah, j'ai encore tout. Oh, des vaches. Achievement get. Ok. Ça sert à rien. Oh, génial, je garde mon stuff. Alors par contre, je sais pas si c'est l'orage qui me fait laguer à l'intérieur. J'ai l'impression que oui.
Ou si c'est autre chose, mais je serais tenté presque par désactiver la flotte. Hein. Ah, parce que là, dès que je rentre, je rame un peu moins. C'est toi qui me fais mal en fait. Putain. What the fuck? Il y a un Enderman dans le coin. J'ai eu ça, donc ça je m'en fiche. Oh! 4 d'armure, 3 d'armure, dégage. Beaucoup mieux! Alors, voyons voir. Récoltons votre stuff. Alors, un pantalon cassé. Un zombie qui va se faire tuer. Un zombie avec une cuisse de poulet. Excellent. Oh, elle aurait pu me la dropper. Hein. Alors, aïe aïe aïe. Non, ça c'est mon ancien truc. C'est laquelle celle-là? C'est la même que j'ai, je vais peut-être la garder. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs dans les fours. Peut-être, hein, c'est possible. Oh la vache. Ah, j'aurais pensé qu'il y avait des trucs là. Non, bon bah tant pis. Y a rien. Alors ça je jette, et ça je jette. Et le reste, je garde. Pour l'instant. Il y a un petit zombie là. Ils sont casse-couilles. Voilà, t'es mort. Il y a un archer là-bas. Wow. T'es venu vite, toi. T'es venu vite, mais t'es mort. Bon, ça va, lui, il est pas cheaté encore. Allez, hop, dégage. Goulot d'étranglement. C'est... Oh, d'où tu viens, toi? C'est très sympa, comme... Putain, la map... Putain, d'où qu'ils viennent, eux? En tout cas, c'est la première fois que je vois des bébés zombies. C'est assez surprenant. Enfin, je sais qu'ils sont cheatés, parce qu'ils ont été augmentés de par leur vitesse, mais... Ça va. Encore, ils sont pas trop résistants, donc c'est pas vraiment un problème. Putain, je suis level 22. Alors, quel niveau... est-ce que je peux éteindre les flammes? Non, merde, dommage. Il y a un mob là-bas. Merde, j'aurais pas pu faire ça. Oh, c'est un... ce qu'ils m'ont... Oh putain, merde. Ce qu'ils m'ont montré au début, un monstre démoniaque, là, je sais pas quoi. Oh la vache, le lag. De fou. J'arrive pas à le toucher, c'est bizarre. Est-ce que ça vous dit que je, si je rerame, je désactiverai peut-être les... Ah, ça peut être pas mal. C'est le même que j'ai, donc non. Oh la vache. Je crois que c'est la flotte qui me fait ramer, mais je suis pas très sûr. Ah oh, ouais, j'ai un gros coup de lag lors du tonnerre. Alors, je m'excuse, ça va un peu niquer l'ambiance, mais voilà quoi. Je veux pas dire, mais ça me fait ramer. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux d'un coup. Donc, toi là, Jean-Roger. Putain, il fait super mal en plus. Putain, merde. Oh non, mais ça, c'est pas juste. Je vais aller le revoir. Ça, je le jette. Je vais aller le revoir.
Attends, non, je vais peut-être pas le jeter en fait. Ouais, et puis c'est protection 10, donc c'est unbreaking 10, donc voilà quoi. Donc ce salaud de Pigman m'a buté. Je vais le buter à mon tour. Alors non, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et le steak sera le premier truc que je mangerai. Donc ce Pigman. Ah, ils ont l'air assez costauds. Il était par là. Putain, cette map en tout cas elle est super bien foutue. Oh la vache. Putain, il me fait... C'est pas mal avec l'arc aussi, hein, mais je pense que j'ai fait moins de dégâts. Non, ça c'est cheaté ça par contre. Ça c'est cheaté. Ouais, il faut que je la boive avant. Donc je suis remords. J'adore ces phrases. Je suis mort, je suis remords. Alors bon, Pigman, j'aimerais bien que tu me donnes quand même, parce qu'il me semble que, si je me souviens bien, au début il disait que ça donnait des armures démoniques. Ça pourrait être pas mal. Ça protégerait bien ces trucs. Une armure démonique. Bon. Donc je... Où qu'il est? Ah, mon pote. Alors, régène. Oh oh. Oh mais non mais... J'ai shooté le mur. Putain merde. Je suis passé par là, ça va plus vite. Quoique... Allez Erwan, tu peux le buter. Faut dire que je joue tout seul, donc... forcément... A chaque fois, il faudra que je fasse le retour. Puis je suis pas à deux. Hein. Donc forcément, la force des frappes n'est que de une. Merde, fallait pas que je passe par là en fait. Ça, je vais la jeter du coup. Ça sert plus. Non, ça joue que ce soit là. Je sais pas où il est. Il est là-bas. Ok, il m'a pas capté. Ah, je l'ai buté. Waouh, 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 tout ce qu'il m'a donné. Ah, il m'a donné une pépite. Oh. Waouh, waouh, waouh. Cloud's Light. Waouh, waouh, waouh. D'ATP. J'utiliserai contre un boss. Je crois que c'est bon. Est-ce que... Non, je regarde l'heure, mais... je vais grimper... Ah, il est en haut, Slenderman. Je vais peut-être grimper, voir vite fait ce qu'il y a. Et après, on va aller affronter le boss que j'ai trouvé. Là, il Slendy, j'aimerais bien le buter. On bute Slendy ? On bute Slendy. Oh bah t'es bugué. T'as bugué Slendy. Oh putain. Où es-tu Slendy? Slendy! Bâtard. Où est-ce qu'il est? C'était peut-être pas un bon plan. Voilà, voilà t'es mort. Donc j'ai buté Slendy.
Où est mon Ender Pearl? Oh, oh c'est fourbe. Alors, Zato le mage, d'accord, il y a un deuxième boss ici. C'est fourbe. Il doit y avoir un système de command blocks qui tourne en rond, qui active la nuit et qui me retire certains objets. Oh, c'est salaud. C'est salaud. Je vais regarder au-dessus, parce qu'il y a peut-être des coffres cachés que j'ai pas vu. Genre par là. Non. Donc, on va aller ici. Ça ne me sert plus. Vous avez vu, depuis que j'ai plus le truc, je ne bug plus. Hein. Ça me sert pas pour l'instant. Ça, c'est très bien, ça. Donc, je propose qu'on arrête là l'épisode. C'est très bien, en plus, c'est... Ta gueule, bébé zombie. C'est très bien, ça clôture très bien. Et dans le prochain épisode, donc on va se taper Benetta la Witch. Benetta la sorcière. Pour le deuxième boss... non, c'est le troisième boss fight techniquement, parce que le premier zombie, c'était un boss fight. Donc on va se retaper le troisième boss fight. Et on va voir si je vais gérer ou non. Donc je vous donne donc rendez-vous dans le troisième épisode. Allez, on va explorer encore un petit peu après ce manoir. Allez, rendez-vous dans l'épisode suivant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant en bas. Mais surtout, allez voir l'épisode suivant de Herobrine's Mansion en cliquant en haut de cette vidéo.